Bonjour à tous et à toutes. Alors, cette petite introduction, voilà pour vous préparer à la lecture intuitive de vos années personnelles en 2024, signe par signe. Je commencerai donc par le premier signe, donc c'est-à-dire les béliers, et je terminerai par nos amis poissons. Je vais utiliser pour ce faire les cartes de 1 à 9 de l'oracle des nombres ici. Oracle des nombres de... Si vous êtes intéressé, illustré par Wild Amanda et édité par Maude Albertini, enfin édité, créé en tout cas, et c'est aux éditions Le Lotus Éléphant. Voilà, l'oracle des nombres. Je prendrai pour les signes astrologiques les cartes de l'Astrocroche. Voilà, ici. Alors, on va passer au petit calcul, les amis. J'espère que vous avez de quoi noter. Alors, je vais vous prendre trois exemples. Pourquoi? Parce que l'année personnelle, elle commence à la date anniversaire. Il y en a qui disent que c'est pas vrai, que c'est à partir de janvier. Moi, je l'ai toujours fait comme ça, donc je vous propose ma version. Donc, pour moi, c'est jour anniversaire. Donc, exemple. Pour tous ceux qui sont nés en 2000, enfin, tous ceux qui sont nés, pour tous ceux qui étaient en année personnelle, par exemple. Je vais prendre une date au hasard. Quelqu'un qui est né le 5 septembre. Le 5 septembre 2023, cette personne-là est rentrée en... Alors, vous faites 5 plus 9. Ça fait 14. 14 plus 2, 16. Plus 2, 18. Plus 4, 22. Là, il n'y a pas de maître nombre. J'ai pas fait exprès, je suis tombée sur un maître nombre. Il n'y a pas de maître nombre. C'est-à-dire qu'en 2024, cette personne va rentrer en année. 4, le 5 septembre 2024. Entre le 5 septembre 2023 et le 4 septembre 2024, cette personne est encore en année 3. Donc, par exemple, moi, je suis née le 29 du 10. Donc, vous calculez 2 plus 9, 11, plus 1, 12, plus 2 pour l'année 14, plus 2, 16, plus 4, 20. 20, bien sûr, on enlève le 0, donc ça nous donne 2, hein, on réduit bien sûr. Soit on additionne si on arrive à deux nombres, soit on réduit s'il y a un 0 à l'arrière. Donc moi, je ne suis pas encore en année 2, puisque j'ai commencé mon année 1 le 29 octobre 2023. Donc mon année 2 va commencer le 29 octobre 2024. Donc je suis vraiment ici entre les deux. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller, bien sûr, allez voir votre année personnelle dans laquelle vous êtes maintenant. Si vous êtes né, par exemple, le 14 février, voilà, donc ça nous donne 5, 7, 9, plus 2, ça nous donne 11, plus 4, 15, vous êtes en année 5, et le 14 février, vous rentrez en année 6. Pour ceux qui sont nés au mois de janvier, bien sûr, avant cette date, ils vont rentrer dans cette nouvelle année personnelle où ils viennent d'y arriver. Mais c'est la date anniversaire. Donc n'hésitez pas, par exemple, quand on sera au scorpion comme moi, ben, je serai à votre place. Je suis en année 1, mais je vais commencer l'année 2 en 2024, en octobre. Ben, je vais aller voir la lecture intuitive de mon année 1 et de mon année 2. Voilà, j'espère que j'ai été claire. C'est de toute façon l'addition du jour de naissance, du mois et de l'année qui arrive, enfin qui est présente en fait, hein, puisqu'on vient d'y rentrer. Mais n'oubliez pas que si vous êtes plus sur le milieu de l'année, enfin plus sur le printemps, milieu de l'année, fin d'année, vous êtes vraiment aussi en transition. Donc c'est bien d'aller écouter les deux lectures. Puisqu'en 2024, si vous rentrez en année 4, vous êtes toujours en année 3. Si vous rentrez en année 4 au mois de novembre, vous êtes toujours en année 3. Donc c'est bien d'aller voir les deux, justement. Donc il y aura le timing de ces années personnelles. Je ferai de 1 à 9. Il n'y a pas de maître nombre, je le répète, dans les années personnelles. Ça, c'est les chemins de vie, ça n'a rien à voir. Les chemins de vie, j'ai fait des vidéos à cet effet il y a 2 ans, 2 ans et demi de ça à peu près aussi. Donc si vous descendez tout bas sur la chaîne, vous les verrez. Comment calculer son chemin de vie? Le chemin de vie, c'est simple, hein. C'est comme l'année personnelle, si ce n'est que ce n'est pas l'année ici en cours, mais c'est votre année de naissance. Et c'est pareil, sauf que là, il y a les maîtres nombres, 11, 22, 33. Donc voilà les amis, cette petite intro, j'espère que vous apprécierez. N'oubliez pas les loulous, je vous en supplie de liker, de commenter, de partager un maximum, et puis de vous abonner pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent et qui désirent voir mon travail. Voilà, voir ce que je propose sur ma chaîne, bien entendu, Papillon de Lune. Je vous remercie de faire un petit don à la cagnotte.
Si le cœur vous en dit, voilà, j'ai ouvert une cagnotte au lieu d'un PayPal, voilà, parce que ça me plaisait plus de le faire comme ça. Vous avez le lien, vous pouvez verser ce que vous voulez, 5 euros, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 20 euros, ce que vous savez donner de temps en temps pour m'aider dans mon travail ici sur la chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse, et puis on va commencer la lecture intuitive pour chaque signe de vos années personnelles. À tout un chacun, on va dire, hein, puisque nous ne sommes pas tous dans les mêmes années, hein, sinon ce serait trop bizarre pour l'année ici qui se présente à nous. À très vite, les amis. Je fais un petit rajout à cette intro, les amis. J'avais oublié de vous dire de faire aussi le parallèle pour ceux qui le désirent, pour chaque vidéo, pour chaque signe, avec l'année personnelle 8 que j'ai mis en ligne sur ma chaîne. Ce serait intéressant justement d'aller regarder les deux. Alors aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez l'ascendant dans un de ces signes ou la lune, vous pouvez aller regarder. Mais sachez que l'ascendant, c'est tout ce qui est en lien avec l'extérieur, c'est tout ce qui est en lien avec notre professionnel, notre relationnel extérieur, nos déplacements, etc. Et la lune, c'est tout ce qui touche à notre domaine familial. À notre foyer, nos animaux de compagnie, mais ça touche aussi notre intériorité, notre spiritualité. Donc, vous pouvez bien sûr regarder, par exemple, le bélier ou le taureau ou le scorpion, peu importe, si vous avez un ascendant à lunaire, mais faites preuve de discernement. Parce que comme toutes les autres guidances que je propose la plupart du temps, ça reste un tirage général. Donc voilà, je tenais quand même à vous le préciser, les amis. À bientôt. Coucou mes amis Balance, bienvenue dans votre lecture intuitive de vos années personnelles ici en 2024. Bien sûr, vous pouvez aller prendre l'année personnelle dans laquelle vous êtes déjà maintenant. Pardon. Puisque mes Balances, vous le savez, comme vous êtes de fin septembre jusqu'au 22 octobre, bien sûr, vous allez entrer dans une année personnelle à ce moment-là. Et là, pour l'instant, vous êtes dans une autre. Si vous ne comprenez pas bien tout ça, mes balances, ou si vous ne savez pas comment la calculer, j'ai fait une intro à cet effet. Donc, je vous demanderai vraiment d'aller voir le début de cette vidéo. C'est très important. J'ai encore des commentaires qui me disent « je ne sais pas comment calculer », alors que j'ai beau dire d'aller voir l'introduction. C'est quoi les années personnelles 1, 2, 3, 4, etc. C'est quoi une année personnelle? Mais les amis, je vous en prie, allez regarder l'introduction. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous pourrez avoir en information, en complément même, donc n'hésitez surtout pas. Je suis ravie cependant d'être là avec vous, mes balances, vraiment. J'ai déjà posté les signes avant vous, donc du bélier à la vierge, donc vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre lunaire. Tout dépend du domaine qui vous intéresse, bien entendu. Hein. Alors, mes balances en année 1, année d'action, année de nouveau départ, de nouveaux cycles, année où on met de nouveaux projets en place, où on démarre une autre aventure, on va dire ça comme ça. Alors, mes balances pour vous, je vais aller prendre le tarot deck de Friends ici. Et on va aller voir tout ça ensemble. Pour mes balances qui sont déjà en année 1, qui vont passer en année 1 vers le mois de septembre-octobre ici. Alors, j'ai mis également le hashtag en dessous dans la barre d'infos. Les deux vidéos de prédiction 2024, hein, partie 1, partie 2. Et puis, j'ai mis également la vidéo que j'ai faite sur l'année personnelle 8 dans laquelle nous sommes actuellement au moment où vous regarderez cette vidéo. Waouh! J'ai la tempérance. Très belle carte de tempérance ici pour vous, mes balances. J'ai le magicien. Eh bien voilà, ça rejoint tout à fait ce que je venais de vous dire. Donc le magicien, carte 1, arcane 1.
nouvelle aventure, nouvelle capacité aussi, nouveau potentiel que vous allez mettre en avant. En tout cas, il vous est conseillé de le faire ici, mais vous restez dans une certaine patience, dans de la résilience, dans de l'acceptation de ce qui vient ici à vous. Et c'est très joli en fait, hein, parce que c'est comme ça qu'on attire les belles choses, mes balances ici. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, malgré tout, pour certains, je précise bien pour certains et certaines, il y a une peine de cœur ici à dépasser. C'est-à-dire que peine de cœur, ça peut être suite à un deuil, une séparation, un divorce, un enfant qui est parti de la maison et vous étiez un petit peu en conflit. C'est ce genre de tristesse en fait qu'il faut dépasser ici. Moi, je sens beaucoup de mes balances aussi. Vous allez vous, comment dire? C'est pas vous échapper, mais vous allez reconsidérer une situation et peut-être plus faire attention à l'aspect professionnel de votre vie ici, ou à l'aspect financier, à l'aspect familial. Enfin, ça, vous prenez ce qui vous appelle ici. Hein. Oui, ben en même temps, ça m'étonne pas. On vous dit qu'il y a une justice ici. C'est votre carte, hein, mes balances, la justice. Donc, tempérance, justice. Donc, tout va retrouver son équilibre. Même si vous avez eu le cœur blessé, le cœur brisé, vous arrivez à passer au-dessus. Vraiment. Et ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous annonce de la joie. De la joie en famille, de la joie avec votre autre, de la joie retrouvée avec des personnes autour de vous bienveillantes, remplies de bonne énergie ici. Donc, ça fait du bien. Et en fait, c'est comme un retour de karma, en fait, de justice. Hein. Il y en a qui l'ont en année 8, ce karma. Et puis là, vous l'avez en année 1. Les choses, oh, c'est beau. Voilà, je comprends mieux pourquoi. Vous passez au-dessus d'une tristesse parce qu'il se peut, pour certains, je dis bien il se peut, ça reste du général, qu'il y ait une réconciliation, une entente retrouvée dans votre foyer, dans votre couple, ou même une rencontre que vous venez de faire. Vous n'étiez pas encore sûr, et là, ça prend tout son sens ici, mes balances. Vous avez envie d'apprendre aussi, hein? On a le page de pentacle, le page de denier. Valet de denier qui va vous inspirer pour tout ce qui est formation, apprentissage, etc. Alors, mes amis Balance, très belle année pour vous ici. Très, très belle année, hein. Bien sûr, si tout ne vous parle pas, même déjà maintenant, c'est un peu normal, c'est un peu tôt aussi, hein, pour ceux qui vont rentrer dans cette année, septembre-octobre, mais prenez uniquement les messages qui vous parlent au moment où vous m'entendez, vous dites, ah oui, c'est vrai que j'ai vécu cette situation-là, ah oui, c'est vrai que j'ai dû lâcher prise, j'ai dû me calmer un petit peu, parce que l'année 9, elle a été très très difficile, eh bien voilà, on y est mes balances ici. Alors, on va passer à l'année 2. L'année 2 pour mes balances. L'année 2 qui est l'année des associations, des partenariats, des contrats, des unions, des signatures de contrats, tout ce qui est lié à un engagement avec une autre personne ici. Peu importe le domaine, bien sûr, évidemment, ici mes balances. N'hésitez pas, bien sûr, en partant à liker cette vidéo. C'est très, très important pour qu'elle puisse être relayée sur YouTube un maximum de fois. Et puis bien sûr, si vous désirez faire un commentaire, ne vous en privez pas, toujours avec bienveillance bien sûr, et puis partagez autour de vous, hein. Vous abonner pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent, parce que je propose d'autres guidances sur la chaîne bien entendu. D'ailleurs, je vais bientôt commencer votre horoscope de février 2024, mes balances. Ouh, le diable, la carte du diable, arcane 15. Dépend ce qui suit. Ce qui suit, c'est la reine de coupe. Moi, j'ai l'impression, et je l'ai dit hein, dans la vidéo de l'année 8, n'hésitez pas à aller la voir si vous avez un peu de temps. Il y a une tentation. Quelqu'un va venir vous tenter. Et vous êtes comme cette reine de coupe, vous êtes dans le cœur, dans la bienveillance, dans la générosité. Je l'ai dit en année 8, attention, attention à ce qu'on va vous proposer, à ce que vous allez signer. C'est vrai que c'est l'année des engagements, des associations, etc. Mais il faudra quand même faire attention avec qui vous voulez
travailler, hein, avec qui vous voulez vivre votre vie, avec qui vous voulez vous entendre ici. Les choses vont s'accélérer. Le diable aussi peut me parler de passion, hein, donc il y a peut-être une passion ici, quelque chose qui vous réveille l'âme, le cœur, que vous avez très envie de mettre en place. Et justement, vous êtes là dans le cœur. Et on vous dit que les choses vont s'accélérer ici. Mais il y a bel et bien une tentation. Ça peut être une bonne tentation aussi, hein. N'y voyez pas le mal partout, bien entendu, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose qui vous ravit le cœur, bien sûr, et vous sentez que c'est bon pour vous, hein. Puisque là, on a quand même du 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est vraiment la carte des vœux, des souhaits réalisés, et notamment ici, notamment dans le domaine matériel, financier, professionnel, tout ce qui est ancré, lié à la terre. Hein. Ouais, c'est ça. Alors. Je voudrais, pour mes balances, s'il vous plaît, encore juste une ou deux cartes. Mais je remets, rebrasse bien pour pas qu'il y ait d'énergie de la nuit. Une. L'empereur. Ok, ça vous permet de vous élever en plus. Moi, je pense que s'il y a une proposition alléchante, une nouvelle passion dévorante, dévorante, mais pas trop évidemment, hein, que ça ne vous nuise pas. Moi, je pense que vous devriez accepter. En tout cas, il y a un compromis qui se trouve. Et vous adorez les compromis, mes balances. Hein. Il y a un compromis qui se trouve. Quelqu'un de généreux sur dans le cœur, vous aussi. Donc, ça tombe bien, puisque à ce moment-là, ben, tout est possible, on va dire ça comme ça. Ça peut être un homme, pour vous, Madame Balance, un homme de pouvoir, qui a déjà un bon statut, qui est assez charismatique, généreux, qui désire vous engager ou qui désire vous faire une proposition. On peut avoir le signe du Capricorne Bélier, ça c'est à vous de voir ici. Vraiment, c'est très très joli. Hein. Oui, la roue tourne, c'est ça. Par rapport à un projet que vous aviez peut-être mis de côté, ou que vous aviez délaissé pour un moment, pour les causes qui vous sont personnelles. En tout cas, on voit ici, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Toute façon, s'il y a une pomme pourrie dans le panier, vous allez le sentir, hein. Vous allez vous dire non, non, je m'embarque pas là-dedans. Voilà mes balances pour votre année 2. Mes balances, votre année 3, une année de communication, de transactions, d'échanges, de partage, même de déplacements, également tout ce qui a lieu à communiquer en fait. Alors, la maison de vos amis Gémeaux, la maison 3 ici. Année 3, si vous allez y rentrer ou si vous y êtes déjà. Et je répète, n'oubliez pas d'aller écouter l'intro. L'année personnelle, c'est le jour, le mois de naissance et l'année 2024, bien sûr, qui est année 8. Hein. Donc le calcul est vite fait, jour, mois plus 8. Hein. Donc voilà. L'étoile, l'espoir. L'espoir, la magie. La magie des vœux. Des souhaits envoyés à l'univers ici. La carte de vos anniversaux. L'arcane en tout cas. Ok, elle revient, hein, regardez. C'est comme si cette année, vous démarriez cette année 3 avec plein de rêves dans le cœur, avec plein d'espoir, avec plein d'optimisme. Et c'est super beau parce qu'en fait, on voit ici que vous appelez du beau. C'est en fait la loi d'attraction, c'est ce que j'ai dit à mes balances ici dans l'année 1. Forcément, quand on reste plein de foi, plein d'espoir, on attire le meilleur en contrepartie, hein. La lune qui parle de vos intuitions, de vos ressentis, de ce qui peut encore être caché, hein, mais qui va venir être éclairé ici, sur cette année 3. Ouais, c'est bien. J'adore parce que du coup, on a le 2 d'épée à l'envers. Donc ça veut dire que vous savez, vous n'êtes pas en dualité. Vous savez exactement quoi faire. Ouais. Vous savez quoi faire aussi si jamais vous êtes dans une situation un peu lassante, un peu ennuyeuse, monotone. Vous allez savoir comment faire pour sortir de cette situation parce que vous désirez ardemment ce bonheur. Le bonheur dans le foyer, hein, le 4 de bâton, ça peut être une super ambiance au boulot, à la maison, avec les gens avec qui vous allez mais communiquer ici, échanger. Hein. Oh, mes amis, balance!
Le 10 de coupe. Alors, attendez-vous vraiment à terminer l'année 3 en apothéose. Le bonheur à l'état pur. Le bonheur familial. Le bonheur amoureux. Le bonheur dans un job qui vous ravit le cœur ici. Hein. Et les choses vont aller un petit peu en s'accélérant ici pour mes balances. Hein. Parce que le cavalier d'épée, c'est vraiment ça. Hein. Donc, attendez-vous, si vous êtes en année 3. Depuis, je sais pas moi, depuis le mois d'octobre, je vais dire une bêtise, mais au hasard, depuis le 5 octobre. Attendez-vous vraiment sur cet été, ici en 2024, à ce que les choses prennent un tournant juste magnifique. Hein. Vraiment, hein, ça peut même être des mariages, des engagements, aménager ensemble, agrandir la famille, voilà, tout simplement ici. Restez positif, ça vous va bien, mes balances. Voilà pour votre année 3. Alors, l'année 4, qui est une année, donc maison 4 de vos amis cancer, une année de construction. Là aussi, on va nous reparler de la structure. La structure de votre foyer, de votre famille, de votre couple, voilà, si vous êtes amoureux et que vous êtes marié ou pas encore, ça peut être un engagement total, le 4. Ici, on parle vraiment de bâtir, ça peut être dans la matière, vous désirez construire une maison, c'est la bonne année pour, vous désirez faire des travaux de rénovation, pareil, c'est vraiment tout ce qui se construit mais qui dure, qui reste stable, qui se construit sur de la durée, sur du solide. Ok. Alors, bonne balance votre année 4. Le monde, c'est ça, une notion d'accomplissement, d'aboutissement ici pour vous. Si vous aviez déjà commencé en année 3 à mettre des super projets en place, on dit vraiment ici que c'est une année où vous allez pouvoir boucler la boucle. Que ce soit en début d'année 4 ou en fin d'année 4, parce qu'une maison, on sait, ça se construit pas en 2 mois, ou l'achat même d'un appartement ou d'une maison qui est déjà construite, mais que vous voulez adapter à votre guise, c'est possible. Peu importe ce que c'est ici pour vous, c'est vraiment l'envie de changer la donne, mais aussi l'envie d'accomplir quelque chose dont vous allez être fier. De vous sentir utile, de vous sentir vivre tout simplement ici. Ça peut être aussi avec le monde et la construction, ben, désirer vous expatrier, partir à l'étranger, faire construire cette maison là-bas, cet appartement, ou louer un bien, par exemple, si vous êtes en France, ici en France, et acheter un bien à l'étranger, ça peut être ça aussi, hein. Alors, mes balances, on a le valet de coupe, de nouvelles émotions ici qui arrivent pour vous. Une véritable renaissance. Le jugement, c'est je renais de mes cendres. Donc, s'il y a des trucs qui n'ont pas été top, attendez-vous à clôturer un dossier, à boucler quelque chose pour le mieux, pour le meilleur ici, mes balances. Parce que le monde, c'est une carte des plus positives, je l'ai toujours dit dans le tarot. C'est la plus belle carte du tarot. C'est vraiment avant d'avoir le fou, c'est la dernière carte du tarot. Avant de faire, de démarrer une nouvelle aventure, de faire ce reset, il faut aussi que tout soit stable et que tout soit, se soit terminé dans de bonnes dispositions ici. Et c'est là où vous en êtes. Hein. Ouais. Vous préparez quelque chose, hein. Ça j'en suis sûre sur cette année 4, vous préparez quelque chose pour que ce soit solide justement. Et là, la renaissance me fait penser aussi à une nouvelle forme de vitalité. Hein. Si vous avez eu des problèmes de santé ou quoi, on parle vraiment de guérison ici. Hein. Clôturer un chapitre pour écrire un plus beau par la suite, mais c'est vraiment ça ici. Hein. Ça peut concerner le professionnel ici aussi en fin d'année, pour vous mes balances, où là il se prépare quelque chose où vous allez vous donner vraiment à 100% ici. Hein. Accrochez-vous à vos rêves, à ce que votre cœur vous appelle de faire, d'acter ici. Ok, c'est magnifique. Le monde et le jugement, de très 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 belles cartes. Voilà mes balances, je vous la souhaite magnifique cette année 4.
Année 5 pour mes balances, année d'indépendance, de liberté, d'avoir envie de s'évader, de voir d'autres personnes, de mettre d'autres couleurs sur les murs, de fréquenter d'autres styles de groupe, hein. Peut-être si vous avez un groupe, je ne sais pas moi, de musique, ou si vous allez à des réunions dans un groupe, je ne sais pas moi, de parole ou un groupe spirituel, c'est vraiment avoir envie de changer ici. Le 5, ça représente aussi pas rien que le changement, mais la diversité ici, mes amis Balance. Après, en année 6, nous allons attaquer avec un autre tarot. J'aime bien changer en cours de route. Alors, année 5, si vous entrez en année 5, septembre-octobre, ou si vous y êtes déjà, bien entendu, depuis septembre-octobre 2023. Voilà mes balances. Oh, on commence bien. L'empereur, le valet de bâton, l'apprentissage. Moi, je ressens ici, pour diversifier les choses, justement, mes amis balance, il y a quelqu'un. Ça peut être un patron, un chef d'entreprise, un ami, hein, ça peut être un papa, un frère, un meilleur ami, peu importe. Quelqu'un est un peu comme votre mentor. Pas comme votre mentor, ma langue a fourché, veuillez m'en excuser, bien sûr. Comme votre mentor, c'est mon oreille hein, droite qui est pas encore. C'est pas une excuse, hein, mais c'est difficile pour moi parfois de bien prononcer les mots parce que je m'entends très peu du côté droit du coup. Apprentissage, l'envie de découvrir de nouvelles choses, c'est vraiment l'esprit du 5. Mais quelqu'un est à côté de vous. Comme je le dis, un mentor, un guide spirituel, quelqu'un que vous avez croisé sur le chemin, qui en sait beaucoup, et du coup, vous allez profiter de son expérience aussi très constructive. Ouais. Alors, moi, j'ai certaines de mes balances qui vont s'inscrire à un concours en ligne, à une formation, quelque chose en rapport avec votre futur professionnel. Et vous savez qu'il y a de la concurrence, vous savez qu'il y a de la rivalité. Vous le savez, mais j'ai l'impression que vous y allez quand même parce que vous vous dites, et on est bien sur du 5 ici, hein. Clairement, hein, vous vous dites, on verra bien quoi. Voilà. Hein, vous avez peut-être envie de changer la donne et de plaire à cette personne qui est là, que vous venez de rencontrer. De mettre les bons efforts en place. Mais vous savez que ça ne va pas être facile. L'année 5, c'est en général pas une année très facile, mais elle est très riche aussi, très constructive. Le roi de bâton. Ouais. Vous allez y arriver, hein. J'ai vraiment une notion de persévérance, mais de réussite à la fois. Même s'il y a beaucoup de monde inscrit, par exemple, à ce concours, à ce stage, vous allez arriver à vous démarquer pour moi. Approuver ce que vous avez dans le ventre, vous voyez. C'est vraiment ça. Regardez ici, Joey, donc The Friends, il apprend son texte. Et il le fait même 30 fois par jour s'il faut, même avant de rentrer pour sa présentation, voilà, de son scénario hein, qu'on lui a donné. Il le fait 30 fois s'il faut, mais il a envie de faire les choses bien. Et vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là. Vous vous préparez pour recevoir l'abondance, même si c'est pas encore cette année, mais on voit que vous êtes assidu à la tâche, parce que vous savez qu'en faisant ça, les choses peuvent changer, et c'est tout à fait ça le 5 ici, hein. C'est des choses qu'on doit dépasser, ça peut être des peurs pour aller vers quelque chose de beaucoup plus libre, indépendant pour nous, hein. Je dis pour nous, mes balances, parce que j'ai trois balances dans mon thème et que, il m'arrive aussi de me sentir un peu balance par moment. Surtout quand c'est des choses, des nouvelles idées, puisque j'ai Uranus en balance, c'est pour ça que je dis nous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Moi, je vais aller prendre pour vous le tarot de la magie verte. Ici. Pour votre année 6. Année 6. Année d'harmonie. Année qui est censée vous apporter un relationnel plus doux, plus équilibré, plus harmonieux. Ça peut être vraiment dans tout domaine ici.
essayer, en tout cas tenter d'atteindre l'harmonie en cette année 6, pour s'aligner aux énergies de cette année 6. Après, vous pouvez aller compléter avec l'année 8, vous avez la vidéo. Dans la barre d'infos, j'ai mis 3 vidéos. Hein. Donc, cette année 8, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, et puis vos prédictions 2024, signe par signe. Vous pouvez vraiment aller regarder les 3 pour avoir vraiment les informations qui peuvent être aussi complémentaires à ce que vous entendez ici. Hein. Le 4 de Pentacle, mais il est arrivé à l'envers. Donc, pour moi, il y a une certaine zone de confort que vous voulez quitter. Ouais. Il ne vous plaît plus. Vous ne voulez plus demander la charité. Vous voyez ce que j'ai vraiment l'impression quand je regarde cette carte que c'est ça. Vous ne voulez plus demander la charité, aller faire l'aumône, etc. à des personnes de toute façon qui ne vous respectent pas, qui vous mettent dans une case. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Vraiment ça que je ressens au vu de cette carte ici. Hein. Alors, j'ai d'abord celle-ci. Ouais, c'est ça. On va les mettre comme ça. Alors, cavalier de coupe et roi de baguette, les amis. Donc, roi de bâton. Ici, on voit que vous voulez aller vers plus de passion. Vous voulez que vos relations, en d'autres termes, toutes vos relations, prenez ce qui vous appelle, hein, que ce soit amoureux, familial ou autre, soient plus brûlantes. Pas dévorantes, mais brûlantes. Vous avez besoin de cette passion. Vous avez besoin de sentir votre cœur battre, de vous sentir vivre, de vous sentir bien avec les personnes avec qui vous êtes ici. Ouais. Pour moi, vous avez dû dépasser quelque chose d'assez... peut-être une période assez longue d'enfermement parce que vous n'avez pas les moyens financiers de sortir, de faire des sorties. Ou... C'est un exemple, hein, mais ça peut être ce genre de cas-là ici. Hein. Ouais, c'est ça. Et je le disais, elle arrive à l'envers, donc j'aime beaucoup. Le 5 de denier. Vous voyez, quand je vous parlais d'aumône, de charité, si je vous la remets à l'endroit, 5 de denier. Donc, la situation, elle n'est pas gravissime. Elle l'a peut-être été, hein. Je dis pas le contraire. Mais ici, la situation a tendance à se rétablir. Et je pense que ce sera aussi grâce à l'aide d'un entourage ici. C'est fou, hein. Je ne sais plus si c'est l'année 1, l'année 2. On a ces deux personnages qui sont revenus. On a le diable et on a l'empereur. Quelqu'un va vous aider ici à dépasser quelque chose qui n'était plus bon pour vous. En termes professionnels, financiers, peu importe. Vous avez de l'aide. Quelqu'un de passionné, parce que l'empereur, ici le dieu cornu, hein, qu'on appelle l'empereur, c'est le maître en la matière. Lui, c'est quelqu'un de très passionné. Le diable, malgré tout ce qu'on en dit, tout ce qu'on en pense, est quelqu'un, c'est vrai, de manipulateur, de très énigmatique, mais aussi quelqu'un de très charismatique. Donc, ne vous inquiétez pas pour les finances. Moi, je pense qu'en deuxième partie d'année, s'il y avait encore des problèmes financiers, ça va se régler. Ça va déjà se régler pour certains sur les 4 premiers mois de cette année. Il y a de l'équilibre qui revient, vraiment. Vous êtes appelé. Il y a un appel du cœur, il y a une déclaration d'amour peut-être pour certains. Vous allez vous déclarer à quelqu'un ici. Ou demander de l'aide. Ça peut être ça aussi. Et vous avez bien raison. Parce que là, on voit que si vous la demandez, vous en avez de l'aide, mes amis Balance. Voilà, voilà. Année 7. Oh, là, j'ai fait une bêtise. Année 7, oui. Spiritualité. Alors, l'année 7 vous parle justement de spiritualité. L'année 7, c'est l'année 2023 que nous venons de passer. C'est une année où on s'entend à dire que ça a été long, ça a pu être perturbant. Nous avons eu des tests, des épreuves, toutes sortes de l'univers que nous avons dû... passer avec beaucoup de patience, beaucoup de raisonnement, hein, parfois raisonnement intérieur, intelligent également. Mais c'est une année où on découvre beaucoup de choses sur nous-mêmes. C'est une année qui nous parle de notre intériorité ici, de nos découvertes. La découverte de certaines lois universelles, la découverte qu'on peut très bien... communiquer avec ses anges, enfin, des choses que vous aurez appris tout le long ici. L'année 7, c'est ça.
Donc, on va voir ici ce que vous allez apprendre sur vous, quelles vont être vos pensées, vos remises en question, qu'est-ce qui peut se dérouler dans ce domaine-là, en tout cas. C'est ici votre maison, hein, mes amis Balance. Voilà, vous voyez, 7 et c'est votre maison. Voilà, la maison 7 de mes amis Balance. Donc, équilibrer spiritualité, j'entends aussi, et sens pratique, et matière, ancrage, et c'est pas toujours facile. 4 de pentacle, il revient, mais à l'endroit. Hein, donc, c'est celui qu'on a eu, si vous regardez l'année 6, parce que vous y êtes, c'est celle qu'on a eue dans l'année 6, mais inversée. Donc, on voit ici qu'en fait, là, vous serez peut-être content et contente de rester un petit peu à la maison. Il y en a beaucoup qui vont peut-être travailler de la maison aussi. Ou qui vont s'enfermer un petit peu plus que d'habitude pour réfléchir, pour aller regarder des sujets spirituels, pour vous offrir des nouvelles lectures ici. Ah, c'est ça. Pour envisager l'avenir sous un angle différent. En plus, avec l'énergie du Verseau ici cette année, c'est ce qui va nous être demandé. Ouais. Vous n'avez plus envie, cette deux coupes à l'envers, vous n'avez plus envie ni le désir de devoir choisir. Ça vous agace profondément. Vous ne voulez plus faire de choix. Vous ne voulez plus avoir plusieurs cas de figure, plusieurs personnes. Vous voulez vous sentir libre, un peu comme l'année 5 finalement. Libre de regarder droit devant vous et de pouvoir voir votre avenir se dessiner. Avec de nouvelles perspectives, j'entends ici. Vous avez peut-être qu'on vous a demandé de choisir à tout bout de champ et de prendre des décisions à la place des autres et de porter tout ici plus sur votre cœur en termes émotionnels. Et là, vous allez dire stop, mes amis Balance. La sagesse du grand prêtre, du pape ici. Ouais. Voilà ce que cette année va vous apporter. Elle va vous apporter beaucoup en sagesse, en maturité, qu'elle soit intellectuelle ou que ce soit une maturité émotionnelle ici. Beaucoup de découvertes. Ouais. On voit qu'il y a un peu de tristesse pour certains. Par rapport à ça, par rapport au fait qu'on vous demande toujours de faire des choix, de faire l'arbitre. Parce que vous savez, mes balances, on va vous dire, oui, mais t'es balance, donc toi, t'es censé avoir le juste raisonnement. Mais cette année, vous avez plus envie de ça. Ça vous attriste parce qu'il y a peut-être des gens que vous allez perdre au passage, qui vont peut-être naturellement vous tourner le dos ou c'est vous. Mais regardez, c'est pour votre victoire, c'est pour votre succès, c'est pour votre reconnaissance et pour que vous ayez à nouveau confiance en vous, mais réellement ce coup-ci. Donc c'est une année très intéressante, mes amis Balance, ici, pour vous l'année peut-être. Ok mes Balance, alors, année 8 sur cette année 8. Voilà, donc si vous commencez l'année 8 en année 8, ou vous y êtes déjà maintenant au moment où je fais cette vidéo, donc début d'année, l'année 8, c'est une année de pouvoir, je dirais plus de pouvoir intérieur, de feu intérieur, de développement de nos capacités, de mise en action de ces capacités. Mais c'est aussi une année karmique. C'est une année où on peut avoir le retour de certaines choses que nous avons fait évoluer sur l'année d'avant, où nous avons tout simplement, comme on sème des graines, nous avons planté pas mal de choses, et si nous l'avons bien fait, eh bien nous récoltons. Comme inversement, si ça a été le désastre parce que vous n'étiez pas éveillé à ce moment-là ou parce qu'il y a des choses que vous ne compreniez pas, ça peut être le retour de manivelle. Mais ça, on va aller le voir. Moi, je pense que si vous êtes là en train de me regarder sur ma chaîne, c'est que vous avez déjà évolué pas mal dans votre expérience personnelle, dans votre développement personnel et intuitif ici. Hein. Voilà. Oh, mais j'en ai beaucoup trop. Regardez-moi ça. Alors, mes balances. 6 de coupe.
C'est bien, on voit qu'il y a une entente fraternelle ici. Quand je dis fraternelle, oui, ça peut être uniquement amical, c'est pas juste amoureux. Il y a des petits souvenirs d'enfance qui reviennent, donc c'est peut-être un frère ou une sœur que vous n'avez plus vu. C'est peut-être un frère ou une sœur à qui vous pensez, un ami, une amie qui n'est plus là. Et ça vous... Vous êtes mélancolique, mais ça ne vous brise pas. C'est-à-dire que c'est doux ici. Ça peut être aussi une rencontre amicale ou fraternelle qui évolue comme il se doit ici. Ouais, c'est ça. Là, c'est le bâton. La lune, vous voyez, il y a un tout petit peu, ici peut-être vous allez le sentir en début d'année 8, un tout petit peu de mélancolie dans le cœur, d'émotions, de rêves qui vous refont surface. La lune, c'est tout ce qu'on ne peut pas palper en fait. C'est aussi des choses qui sont encore cachées dans notre inconscient ici. Pour mes balances. C'est beau, 4 de bâton. Moi, vous savez à quoi je pense mes balances, vous me direz par la suite, hein, vous pouvez revenir à tout moment, même dans quelques mois, puisque je vais laisser les vidéos en ligne, il y aura une playlist à cet effet. Mes balances, hein, ça me parle ici de retrouvailles pour moi, que vous n'attendiez peut-être pas, imprévu. Ça peut nous parler d'une connexion avec un défunt, quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Cette personne, vous n'arriviez pas à avoir des messages d'elle et vous en avez, par le biais de quelqu'un, hein, puisque moi je fais les messages défunts aussi, mais peut-être de vous-même, vous allez comprendre quelque chose. Mais ça va, ça vous rend heureux et heureuse ici, parce que le 4 de bâton, c'est la structure de bienveillance, on va appeler ça comme ça, l'entourage bienveillant. Alors, ici, et je voulais aller demander pourquoi la lune, il y a quelque chose à dépasser. Si vous faites de nouvelles connaissances, mais que vous restez tout le temps avec cette mélancolie en arrière sur votre passé, on va vous demander de dépasser ce stade, ce seuil, pour pouvoir justement goûter aux joies de la vie ici, au plaisir. Hein. Le 9 de denier, c'est vraiment les souhaits exaucés, hein, les vœux réalisés. Il y a peut-être certaines de mes balances ou certains ici qui se sont dit, non, mais moi, ma vie amoureuse, ça a toujours été le fiasco, ma vie professionnelle aussi. Je ne vois pas pourquoi j'essayerais de tenter quelque chose de nouveau. Et pourtant, c'est une année d'action, une année où on vous demande de reprendre votre pouvoir personnel, de reprendre cette confiance, cette estime de vous. Donc, je pense que là, il va vous être demandé de dépasser quelque chose peut-être. Qui revient et c'est comme si vous étiez dans votre bulle du passé. Alors, on va vous dire, ah, c'était mieux avant, etc. Non, en fait, mais malheureusement, on doit s'y faire. Je dis malheureusement parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas facile, mais heureusement que on est sur la Terre pour évoluer. Heureusement qu'il y a de l'évolution aussi technologique, mais tout dépend comment on l'utilise. Et ici, vous avez peut-être un peu de mal avec ça. Mais on voit qu'au final, vous êtes hyper heureux et vous trouverez le vrai bonheur. Ouais, et là, on passe à nouveau. Ouais. Ça, ce sera peut-être pour l'année 9, on ira voir. Ici, il y a quelque chose qui vous dérange peut-être au niveau financier. Mais c'est plus un blocage mental, c'est plus quelque chose que vous imaginez. Vous avez peut-être peur de manquer, peur de vous engager dans une nouvelle relation parce que vous avez à nouveau peur d'être rejeté. Ça peut être ça aussi. Donc, il y aura une peur à déceler et à comprendre ici sur cette année 8 pour vous permettre d'atteindre ce bonheur. C'est hyper important. Si maintenant, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore en année 8 et que vous avez des problèmes de confiance en vous, vraiment, 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 allez-y, faites-le. Parce qu'après, on va vous demander d'y aller et de mettre en œuvre ce qui vous plaît le plus pour bien sûr récolter, sinon ça ne vaut pas la peine. Ok, mes amis Balance. Alors, pour mes amis Balance, année 9, dernière année d'empathie, d'aide aux autres, d'altruisme, de générosité, mais générosité du cœur, c'est-à-dire bienveillance, amour inconditionnel, de la sagesse que vous aurez acquise pardon, de vos expériences, justement, mais qui vous ont rendu plus fort à présent sur cette année 9. Alors, on va aller voir pour vous mes balances. Ok, on y va, on termine avec l'année 9 pour mes balances. Si vous y êtes ou si vous y rentrez en fin septembre, mois d'octobre ici.
Le 9 d'épée. 9-9. Ah ouais, c'est pas anodin. Waouh! Le 9 de... Le roi de Wu, c'est-à-dire c'est la carte, l'arcane 9 de l'ermite. Il y a que des 9. Les amis, ben, c'est pas anodin du tout. Hein. Donc là, vous êtes bien dans cette ambiance d'année 9. C'est-à-dire que... vous envisagez peut-être de demander de l'aide ou de vous tourner vers des personnes qui sont dans cette sagesse, qui sont en train de dépasser des blessures. Et c'est pour ça que j'en ai parlé à la fin de l'année 8, où on sent qu'il y avait un petit peu de peur à travailler. Ici, le 9 d'épée, c'est « il y en a marre en fait ». Il y en a marre, ça me casse la tête, j'en peux plus, je suis fatiguée, on vient tout le temps me demander la même chose, j'ai peur qu'on vienne carrément m'aspirer mon âme, là, vous voyez, c'est une carte très sombre, mais dans cette noirceur, vous allez trouver les réponses, vous allez trouver la lumière, parce que c'est ce que l'ermite y fait. En fait, ici, vraiment, mes balances, ça peut être fin septembre, hein, ça peut vraiment être au moment où vous rentrez dans cette année neuve, puisque l'ermite est associé au signe de la Vierge, qui est aussi du mois de septembre, où vous vous sentez peut-être fatigué, psychologiquement, usé, moralement, vous voyez. Mais c'est une année aussi très spirituelle, où vous allez faire de ces faiblesses, finalement, une force ici, hein. Vraiment, hein. Pour mes balances, s'il vous plaît. Mais elle est restée là, elle. Voilà, cavalier d'épée. Les choses après s'enclenchent. Les choses vont aller vite. Peut-être que c'est vous qui voulez aller trop vite. Et là, on va vous demander de ralentir un peu la cadence. Parce qu'on vous sent vraiment fatigué sur ce début, cette mi-année 9. Vous voyez? C'est fou, hein? C'est comme si on me disait... Votre début ou votre moitié d'année neuve ne va pas être facile, mais ça va être une année de réflexion où vous allez comprendre énormément de choses sur vous et sur les autres avec qui vous travaillez, les personnes que vous aidez, les personnes qui sont généreuses, bienveillantes avec vous. Vous reprenez de la force, de la vitalité, de l'énergie sur cette fin d'année 9 et regardez le 3 de coupe. La joie revient. Donc, c'est pas une mauvaise année. C'est pas une année, mes balances, ne vous dites pas déjà, c'est catastrophe, quoi. Quand on est fatigué, qu'on est épuisé moralement ou qu'on est éreinté, vraiment ici, eh bien, c'est là que l'ermite prend sa juste place puisqu'il nous permet de comprendre nos mécanismes de guérison, en fait, j'ai envie de dire. Quand on a des peurs, des choses comme ça à travailler ici. Donc, vous allez forcément trouver les réponses et elles sont en vous. Hein. L'ermite vous le dit ici, les réponses sont en vous. Mais il faut juste aller les chercher en vous, tout simplement. Et ça, ça demande du temps, de la sagesse, de la patience. Voilà, mes amis Balance, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo quand vous le souhaitez. Hein, je ferai la playlist donc signée année personnelle en 2024. Et puis, prenez soin de vous, mes amis Balance. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour.